Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie de Go sur OGS. Donc cette fois-ci, on affronte un joueur de niveau inconnu. On estime qu'il est de notre niveau normalement. Il joue Oshi, on va jouer Oshi également. Et la partie se joue à 6,5 de commis en ma faveur. On a 20 minutes chacun, plus 5 fois 30 secondes aussi. Donc il joue Komoku dans ce sens, donc les bords les plus intéressants c'est le bord gauche. Et le bord bas, ils ont une intersection de plus, donc il approche sur un de ses coins, il l'opte pour une stratégie un peu plus offensive, il m'empêche de faire un Shimari plutôt que développer lui-même son propre territoire. On va le pincer pour voir, même si très souvent on va en P3, hein, mais là j'ai envie de mettre en valeur ma pierre qui est en D4 derrière. Et on va voir ce que ça peut donner. Hop. Il approche le coin. On va venir de ce côté-là. Il va couper, on va venir en P3. Et là, il y a des nouveaux Joseki, il faut s'en rappeler. L'ordre des coups, parce que là, il vient ici. Il vient ici, normalement. Normalement, oui, il vient. Donc, je vous montre. Les nouveaux Joseki, je crois qu'il vient ici, je viens là. Il fait Atari d'abord. Auquel cas, je ne capture pas, parce que quand je capture et lui il capture, noir est content, parce qu'il a le coin et une extension. Bah, il regarde sur le bord également. Donc là, je dois descendre. Maintenant, il protège. Et là, le petit trick, en fait, le petit piège, c'est que je dois aller ici, en angle vide. Parce que si je fais atterrir sa pierre d'un côté ou de l'autre, ça prend la pierre, hein, effectivement. Il pourrait lui-même venir en P2, ça fera atterrir sur une pierre, je réponds. Il ferait contre-atterrir en N2, je dois capturer en P1. Et ensuite, il pourrait prendre ma pierre en N3, en chichot, en escalier dans ce sens-là. Je vous laisse regarder ça dans les SGF, si vous voulez. Donc là, il faut que je fasse attention à ça. Je vous montre. Hein, là, par exemple, si je réponds là, il vient ici. Je réponds là, il vient ici et je réponds là. Atari, sur ces deux pierres, je réponds Atari. Donc sur celle-ci, donc je capture celle-là. Et ensuite il vient ici. Et cette pierre, si je fuis, il y a un escalier qui va se diriger ici. Donc on n'a pas envie de ça parce que ça lui donne trop de force. Là déjà, on protège. Il protège. Fait Atari d'abord, pardon. Il fait pas l'Atari, donc il faut que je vienne quand même là. Ça revient au même. On protège tout de même. Et il fait tout de même cet Atari. Noir, blanc. Peut-être noir, blanc. Il y a extension? Pas déconnant, je pense. Ce que je regardais, c'est est-ce que à ce moment-là, maintenant, il a pas envie de jouer ici? A priori, non. D'accord. Ça fait un coin agréable. Après, il va dans la direction qui l'intéresse. Donc, c'est point contre influence potentielle, quoi. Chacun prend ce qu'il souhaite. Il pousse encore une fois par ici. Et effectivement, j'ai pas envie qu'il fasse Atari en M3, je viens là, je m'écrase sur la deuxième ligne et lui il rayonne sur l'extérieur. Donc là on a peut-être envie de. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Peut-être que je dois aller là quand même. Ouais. Il prend une belle force. Hein. Il prend une belle force. Par contre, une petite pierre d'extension, je pense que ça ferait pas de mal. Un mur aussi gros. Mais ouais, le niveau direction, c'est pas le top pour moi, j'imagine. Comment on fait? Comment on fait ici? Parce que si je me le développe par là, j'ai l'air vachement aplati en fait. Donc il faut que je réagisse dans
dans sa boîte. Hein. Il menace quand même. Pour l'instant, il dit, oh, regarde, moi, je suis bien installé, mais on peut pousser jusque-là, hein, Levis. Et toi, regarde, oui, c'est des points sûrs, mais pour l'instant, on pense fort à ça. Donc, bah, le message, c'est clairement ça. Donc, il faut réagir un petit peu. Il faut réagir, c'est grand ouvert, donc on peut venir à des endroits. Et je pense que ce serait une erreur d'aller dans le coin. Parce que si je vais dans le coin, il peut pousser là, j'imagine, je viens là. Il vient ici, je viens là. Et quand il joue ici, par exemple, il est assez content, je pense. Après, je peux venir là, et c'est pas incroyable pour sa forme non plus. Ouais, peut-être que je sous-estime les San-San. Ça reste de la quatrième ligne partout. Ok, il pousse de l'autre côté. Ça reste de la quatrième ligne, hein. On peut rentrer dedans. On peut rentrer dedans. Il me propose un jeu, je sais qu'il est compliqué, j'accepte. Hein. J'accepte. Il joue ici, très bien. Je sais pas du tout de quel niveau il est d'ailleurs. Hein. Mais à jouer des séquences comme ça, il doit pas être trop mauvais, j'imagine. Il joue ici. Ouais, il doit pas être trop mauvais. là, je dois avancer là, il me semble. Il vient ici. Je fais l'année. Il coupe. Il me semble. Noir, blanc. Soit il. Non, soit il vient là, soit il vient là, c'est ça, je crois. Ah, je sais plus. Ça fait. Je joue pas souvent, en fait. Je me souviens qu'il y a des séquences où je descends comme ça. Ouais, si, je pense que je vais retrouver, en fait, en le jouant. On va retrouver. Après, il y a plein de séquences compliquées où ça doit jouer là pour noir et après se rejoue encore là. On protège à un moment, quand il protège, on devrait aller là, on en revient là. Pas mal de séquences compliquées avec ça. Et si c'est un joueur très fort, ça va être chaud. Par contre, là, il lance cette séquence et après, maintenant, il met plus de temps. Ok. C'est original. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas du tout. Bah, c'est un piège, quoi, je pense, parce que ça, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu du tout, donc c'est un piège. Et il parie sur le fait que je vais pas savoir répondre, ce que je ne vais sûrement pas savoir. Je vais sûrement pas savoir comment répondre. Donc il parie sur ça, parce que effectivement, je ne sais vraiment pas que jouer là. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Si bloc, Atari, il monte. Plus Atari, mais lui, il peut prendre un chichot, c'est pire là. Donc on peut peut-être plutôt pousser là et menacer de prendre un chichot ça. C'est peut-être ça plutôt. Parce que là maintenant quand il pousse ici, je peux venir là. Je viens ici. Je viens là. Tac. Et il y a l'escalier jusqu'ici. Après, je sais pas si c'est bon pour moi. Là, c'est un peu l'inconnu. Le labo, là, c'est un peu l'inconnu. Mais en même temps, si je faisais atterrir comme ça, imaginons il n'y a pas cette pierre. Il répondait là. Pensez à ça, il pousse, atterrit, il vient là. Il a que 3 libertés, certes, mais là j'en ai que 2, donc il faut que j'augmente. Il poussait. Donc je devais couper. Du coup, cette pierre étant atterrit, il fuyait ici. Et je pouvais prendre cette pierre. Hein. On peut dire, ah, regardez, tout est mort. Oui, mais à ce moment-là.
Je vais pousser là. Répondez. Et guetta sur ces trois pierres. J'ai deux libertés contre trois. Alors, je pouvais connecter par au-dessous, mais je sais pas si c'était bien ou pas. Tac. Il vient là. J'allais là. Il capturait. Je connectais. Je connectais dans la douleur. Il avait une belle force sur l'extérieur. Il était sainté, il venait là. Pas sûr que ça aurait été très bon. Vraiment, ça aurait vraiment pas été incroyable, je pense. Ouais. Alors que là, maintenant, si... Bah, comme on a dit, hein, s'il pousse là, tac, tac, tac. Il escalier. Mais en même temps, s'il s'amuse à faire un truc comme ça, je sais pas. Ok. Ou comme ça. Maintenant, mes coups, ça a l'air de marcher un peu mieux, non? On va lire un petit peu. Bah, clairement, en fait. Quand je vais ici, noir, blanc, noir, blanc, noir. J'ai trois libertés là, trois libertés là, il en a trois, je joue là, et c'est bon. Et s'il descend... Ouais, c'est bon. Ça, ça prend les pierres. Et là, c'est quand même plutôt ok pour blanc, je pense. Là, regardez. Noir, blanc, noir, blanc, noir. On a trois libertés sur ces trois pierres. Ici, ici, ici. On a trois libertés sur ces deux pierres. Ici, ici, ici. Et on a trois. Il a trois libertés sur ces trois pierres. Tac, tac, tac. Mais c'est à nous de jouer. Donc ça se passe bien. Regardez si on pouvait jouer ça, mais ça revient au même. En fait, ça c'est un petit peu piège. Oups, pardon, je vais retirer ça. Mais si je joue ici, qui pense à connecter, je peux venir là et on prend tous les pierres en fait. Parce que j'ai trois libertés ici, trois là, trois là. Il y en a que deux, même s'il essaie de pousser. Atari, tac, on vient ici. Donc ça c'est un petit piège. Quand je viens ici, s'il connecte. Mais s'il sort, on revient là et ça revient. Exactement au même que tout à l'heure s'il protège. On le joue, mais c'est fantaisiste. Dès qu'il répond ici, ça revient à la même situation. Donc il sort ses pierres. En vrai, là, ce qu'il peut faire, c'est attaque. Quand je viens là, il vient ici, hein, il faut se rajouter quelques libertés. Comme ça, je viens ici, je peux pousser là, je viens prendre, et je sais pas, il vient là pour essayer de faire quelque chose par là, mais pas agréable. Pas très agréable. Donc on coupe ici, en tout cas. Il va descendre. Oui, il vient, il rajoute un coup ici, c'est normal. On descend, il descend, on prend les pierres. Bon, ça va, c'est clairement, il aime bien avoir de la force. Nous, on aura du cash. Mais moi, j'aime bien le cash, donc ça ne me dérange pas plus que ça. On a un coin quand même assez conséquent. Il vient par là, ça donne envie d'aller par ici, je sais pas. Ou alors, on capture maintenant. Ah, ça ou ça? Parce que si je viens là, le problème, c'est qu'il peut encore descendre et c'est encore sainté, donc il fait encore ça. Alors que si je prends là... certes, il va là et du coup ça rayonne ici, mais je capture et on peut pénétrer dans ce truc. Ah, je sais pas, on va apprendre, je pense. Essayer d'avoir le moins de raccourcir les soucis parce que si on doit toujours surveiller, là, si on sort et qu'on joue avec ça, un jour ou l'autre, il faudra revenir de toute manière. Donc, au moins là, c'est fait. Voilà, il peut pas protéger, il peut pas bloquer ici, il peut pas bloquer là en même temps, on va dire. Oui. Oui. Puis bon, ça nous fait quelques points cash. Voilà, il veut un coin quand même, parce que bon, ça commence à être chiant. Clairement, plus de potentiel à gauche.
On va jouer solide. On va jouer ça, je pense. Ou peut-être 3, hein. Les deux sont bien. Hop, il joue F2. Et je tenuki. On va approcher comme ça. Bord gauche, intéressant. Et en même temps, s'il pince, on peut aller directement en D16. Ici, en vrai, s'il veut un peu de cash, B14, ça peut être pas trop déconnant pour lui. Ok, il vient là, on vient ici. Dans ce cas-là. Donc, je pense que sa place au AB14 c'était pas mal, il avait deux coins, ça fait quand même pas mal de potentiel, et sur l'extérieur c'est du noir qui regarde quand même. C'est cool. Ça menaçait quand même pas mal le bord nord aussi. Là ça aurait menacé un peu ça également. Mais il choisit de faire des séquences un peu plus compliquées. Pourquoi pas, hein. Tac, il vient en C17. Là la séquence c'est ça. Tac, tac, il vient ici, et je fais ça. Ce qui connecte à ma pierre. Il peut pas séparer parce que quand il vient ici, j'ai le clan. Mince, pardon. Si je glisse, oubliez ça. Et là, s'il descend, je coupe. S'il monte, je passe au-dessous. Donc il n'y a pas de souci. Là, il a le choix entre B18, mais il peut également jouer F17. Et peu importe lequel il joue, je jouerai B15. Toutes ces situations-là sur les chimariers comme ça, vous trouverez. Toutes les variations très bien expliquées, c'est dans une des vidéos de Mathieu Delisotti. Donc tapez MDZ espace Go sur YouTube et vous trouverez ces vidéos où il parle de des extensions Chimari et notamment de. Il parle beaucoup de la forme de Scorpion, c'est ces quatre pierres là qui a beaucoup de vitalité, on va dire. Parce que là je peux tenuki. S'il capture, je peux encore revenir là. Donc c'est plutôt ok. Est-ce que j'ai envie de changer de direction ici? Peut-être. Dommage qu'on n'ait pas la pierre protégée ici, parce que ça aurait été bien de jouer, pouvoir jouer avec ses points de coupe. Ici, les points de coupe n'existent pas, parce que si je vais en M17, ça menace rien du tout, ça menace pas de couper, hein, parce qu'il peut prendre cette pierre quand il veut. Par contre, couper ici, ça va être peut-être plus intéressant. Menacer ces 4 pierres. Ça va être plus intéressant déjà pour blanc. Il s'en va. Et on peut aller par ici. On abîme ses formes. Et ici, il faut connecter. Je pense qu'aucun des autres coups n'a l'air incroyable pour lui. Parce que ici, s'il continue, par exemple, on peut aller là. S'il vient ici, on peut aller là. Yes, step back. Pourquoi il est obligé de connecter, c'est pas très agréable, mais... Là, j'avais besoin d'un peu de force sur le centre. On va partir comme ça. On menace d'aller ici. Donc là, il va connecter. On peut encore aller là. Il va connecter. Et... Je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel ici encore. C'est un peu embêtant. Il a des forces. Il a des forces. Et moi, il faudra que je m'occupe de ça et de ça. Il faut que je fasse attention quand même. Je suis assez gourmand, on va dire. Ok, il protège comme ça. Ça donne quand même envie de venir par ici. Il va connecter. Parce que c'est très agréable de se faire couper ici. Très désagréable. S'il se fait couper, je fais n'importe quoi. S'il joue là, que je viens là, c'est très désagréable pour ces 5 pierres-là. Donc attention. Et il faudrait même... se dire qu'ici ça pourrait être un tsumego. Ok, il décide plutôt de venir comme ça. Hmm.
Parce que si je descends ici, il peut monter. Si je bloque, il coupe. Et si je viens là? Qui monte? Je vais là. Bon, on va connecter. On vient ici. Le problème, c'est que quand il vient là, que je... ben, c'est pas bon. Qu'il vient là, que je viens là, il coupe, je peux monter. Je peux pas bloquer ici, sinon je capture les pierres. Donc son plan a l'air limité, non? C'est assez dangereux. Bon, pour moi aussi, hein. Mais ça a l'air assez marrant, quand même. Ouais, non, c'est peut-être pas bon pour moi. Je suis peut-être un peu gourmand, là. Ouais, je suis un peu gourmand. Oui, non, non, c'est mauvais. C'est, je fais n'importe quoi. Je me laisse emporter dans le truc, parce que là, il peut tourner là et je suis mort. Ok, là, je me laisse emporter. Il connecte et je suis dans la merde. Oups! Je crois que je viens de un peu trop la game, là. Ouais, là, c'est compliqué, quand même. Ouais, il connecte, gentiment. En vrai, noir, blanc, noir. Ouais, c'est, ça doit être jouable, hein. Mais c'est compliqué. Parce que s'il vient là, que... Oh, mince, pas. S'il vient là, que je vais là, et qu'il essaie de boucher, par exemple, par ce côté, je pense qu'il y a un guetta qui se loue par ici. Je pense pas qu'il puisse sortir indemne de tout ça. Noir, blanc, noir. Oh là là, je fais n'importe quoi. Tac, noir, blanc, et il est bloqué. C'est compliqué pour les deux joueurs, on va dire. Très compliqué. Mais c'est plus marrant comme ça, on va dire. Au moins, ça fait des parties variées. Ouais, je pense vraiment qu'il connecte. Parce que même s'il tente des coups comme ça, en fait, on va là. Et ça met juste en suspens la connexion. Parce qu'après, on pourra venir ici pour se découper d'un côté ou de l'autre. Donc, même s'il fait ça. Ben, c'est pas. Même s'il fait ça. On vient là et qu'il vient connecter après. Il y a quand même ce guetta. Et la menace de coupe un jour, comme je dis. En même temps, s'il essaye d'attaquer avec ses pierres tout de suite, pourquoi pas, hein, puisqu'on sort. Et il tente de mettre de la pression, pourquoi pas, hein. Ça peut être compliqué. Là, le problème, c'est si je sors tout de suite, il peut venir là. Blanc, noir, blanc, noir. Donc là, il faut que je sorte. Mais maintenant, quand il vient ici, c'est... mince, pardon. Quand il vient ici, c'est compliqué. Je suis obligé de faire un nez. C'est vraiment pas évident. Il va y avoir du meurtre ici, hein. Aucune idée de quel niveau il est, lui, hein. J'ai l'impression qu'il est plus fort que moi, quand même.
Donc si noir N11, blanc N9, noir O9, blanc O10. Ouais, c'est un truc genre. Il fait ça? Ok. Est-ce que ça marche? Ça semble compliqué, hein, mais il a 4 libertés. En vrai, peut-être. Pas forcément si déconnant. Effectivement, ici c'est chiant. Hein. Tac, tac, il peut aller là, tac, et faire ça. Je capture et s'il connecte, mais en soi, il a pas trop développé de ce côté. Il reste au point de coupe ici un jour. Non, c'est pas. Non, là, c'est mieux. Donc, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est une des rares parties que vous verrez sur YouTube où j'ai plus de temps restant que mon adversaire. Ça, c'est rare. C'est très rare. Bon, en tout cas, si vous aimez la vidéo jusqu'ici, même si c'est le bordel, hein, c'est vraiment le bordel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu encore une fois. Comme toujours, ça aide à ce que la vidéo soit un peu plus recommandée. Et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être informé de plus de contenu du genre. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, il faut que je joue ça. Faut pas se laisser avoir. Faut imaginer en fait, là, pour savoir si je devais faire Nobby ou pas, il fallait imaginer, ok, si à la place, s'il était sorti comme ça, que j'avais fait ça, qu'il était allé là, que j'avais bloqué, qu'il avait mis Atari, tac, et ensuite qu'il montait. Bah j'étais obligé d'aller là, donc ok, il faut faire deux billes. Enfin, il commence par l'autre côté. Noir, blanc, noir, blanc. J'ai l'impression que ça va. Je me trompe peut-être. Noir, blanc, noir, blanc. Atari, tac, Atari, tac. C'est compliqué. Alors, quand il vient là, est-ce qu'il faut que je vienne ici? Non. Ouais, ça marche pas pour moi. Ça ne marche pas pour moi, ok. Parce que ici, en fait, si je bloque par exemple comme ça, je peux faire Atari. Je passe. Si je fais n'importe quoi. Si je viens ici, je peux faire Atari. Je monte. Et il peut aller là. Et si je coupe ici, ben il fait le chichot. Il lui reste 3 libertés, il est large. Mais en même temps, si je protège comme ça, je peux aller ici. Viens là. Je peux aller là. Et ici. Je viens ici. Et double taille. Donc rien ne marche pour moi. Donc à sortir, hein, ce qui est important, c'est sauver ce groupe. Et couper. Même si c'est bordélique. Faut tenter des trucs.
Maintenant, il faut que je coupe ici. Ou que j'aille là. Je sais pas. Ça semble très compliqué pour moi quand même. Ouais, non, il vient là. Ouais, non, c'est compliqué. Je suis obligé de venir là, mais il peut venir ici et prendre ces pierres-là. Mais j'ai pas trop le choix. Parce que sinon, je meurs en gros. Donc on vient là, en soit on gagne de la force, on pourra aller vers le nord. Hein. C'est peut-être pas fini comme partie, mais là on donne quand même toutes ces pierres-là. Donc tous les points là, donc il est plus sécure là. C'est pas fini, mais c'est chaud. Maintenant, il faut réagir. Sauf que c'est compliqué de réagir. On va mettre la pression sous ces pierres. Parce que ici, même s'il prend ça, bon, on fait contre-attaque, capture, mais ensuite on vient ici, ce qui menace d'aller en N17 et de faire un faux œil de son futur œil en O18. Mais en même temps, ça le bloque un peu. On essaye de mettre de la pression. Et il lui reste 2 minutes dans ce temps principal, donc ça va commencer à mettre de la pression, ça aussi. Après, comme je disais, hein, on a encore ça et ça à surveiller. Donc attention. Attention quand même. Ok, très bon. Va venir par ici. Ouais, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Parce que là, noir. Et je fais quoi? Parce que si je réponds, il peut connecter. Et en fait, quand j'ai envie de sauver ses pierres, il pourra connecter ici et je suis mort. Ouais, je fais n'importe quoi ici. Ah là là, la partie va finir par un abandon. Et bientôt. J'y arrive pas sur celle-là. Ouais, il est juste à faire cette taille-là, hein, je suis dans la merde. J'ai aucune bonne réponse en soi. Parce qu'il faudrait que je protège. Parce que même si je fais atterrir par là, s'il connecte, bah c'est déjà la merde. Ok, il n'est pas décidé à faire ça, mais je pense vraiment qu'il pouvait envisager quelque chose du genre. Hein. À moins que j'hallucine, hein, mais. S'il jouait là, vraiment. Fallait que je connecte presque et capturer en fait. Après, je pouvais courir par là, oui, peut-être, peut-être. Peut-être, oui. C'était le bordel, mais effectivement, après, je pouvais peut-être aller en K14. Et ça continuait, le bordel. Pour changer. Il choisit comme ça, très bien. Bon, là, ma pierre, elle est un peu plus safe. Hein. Parce que maintenant, même s'il vient ici, je connecte là. S'il vient là, on capture. Il peut plus jouer trop avec cette pierre pour le moment. Tac. Tac. Ici, connecte, je viens là. Donc c'est plutôt safe. Maintenant, il faut qu'il joue par ici. Hein. Il faut qu'il essaye d'attaquer ces deux pierres-là, en fait. Non, ces deux pierres-là. Comment?
En vrai, un coup simple pour lui serait peut-être de jouer tout simplement ça. C'est vraiment, je saurais pas quoi faire. Parce qu'en fait, il attaque tout en se défendant, je peux plus connecter mes pierres. Ouais, voilà, parfait. Pas parfait, non, mais pas pour moi même. Et du coup, il faut que je m'en aille. Et c'est reparti pour du bordel. Bon, il est gourmand lui aussi, par contre. Je pensais vraiment qu'il jouerait vers K18. Parce que là, il n'est pas encore vivant. Hein. Il n'est pas encore vivant. Si, imaginons, il vient par là, qu'il décide à tout prendre. Je peux jouer là, il répond là. Je peux jouer là. Même s'il capture cette pierre, je viens là, il capture. Mais dans ce cas-là, je peux aller m'étendre. Compliqué, hein. Très compliqué quand même. Bon, il vient ici. Je pense qu'il a raison. Vie, et après on verra. En vrai, viens là. Non. Ça a l'air pas mal d'aller par là. Parce que là, si tu résistes ici, ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué quand je viens là. Parce que si tu résistes, je vais là, et en fait, t'as qu'un œil en O18. Ça semble compliqué. Donc, même si c'est chiant, tu viens ici. Je capturerai. Tu pouvais aller là, prendre cette pierre et faire des points finalement, ou même venir mettre de la pression plutôt à gauche. Peut-être que ça marche, hein. Peut-être que ça marche, mais je trouve ça gourmand. Surtout qu'ici, ces libertés peuvent être réduites très rapidement. Ici, en fait, finalement, ça, c'est qu'une liberté. Parce que dès que je vais là, il doit connecter. Enfin, il a envie, en tout cas. Ok, il vient là. Il faut que je joue ça, ça ou ça. Quel est le mieux? Peut-être vers l'extérieur d'abord. Peut-être vers l'extérieur d'abord, pas trop toucher mon groupe. Et s'il vient là, il faudra que j'aille ici. Là, j'aurai pas le choix, parce que si je viens. Si là, il joue là, que je viens là, il vient ici. Il est vivant. Donc là, ce serait une erreur de ma part. Là, faut que je vienne là. Comme ça, s'il vient ici, je peux venir ici et faire un fauteuil de ça. Oh la bêtise de ma part encore. Non, ok, j'ai trop joué avec le feu. Là, il peut aller tout simplement ici. Si je décide de faire ça, en fait, je suis bête, il peut couper ici. Atari. Atari. Non, oui, tac. Et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Il faut que j'essaie de lire un peu plus loin. Est-ce que ces Atari sont gênants après quand? Parce que je vais en H15, comme on a montré. Et après, quand il sort encore une fois, tac, tac. Ça demande un peu de calcul. Peut-être que je peux m'en sortir. Donc, noir, K16. Ouais, ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué. Ouais, j'ai merdé. Donc, je viens là. Il vient ici. Je viens par là. Ok. Ah, il va faire ça? Non, quand même pas.
Ouais, c'est un peu dommage, j'ai trop joué avec le feu dès le début, j'aurais à la place de Q du 19, du coup si je voulais tuer, il fallait jouer là. Mais c'est pas dit que ça marche, mais bon. Ça marche ça? Direct, j'ai envie de jouer là, à voir si ça marche ou pas. Non, ça n'a pas l'air de très bien marcher en fait. Quoique peut-être. Blanc. Que même s'il sort avec des trucs comme ça, on continue et on peut peut-être englober en gros en fait tout ça quoi. Donc ça a l'air pas mal. Déjà on peut faire ça. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ouais, ça donne ça, mais en même temps, on assure la connexion, quoi. C'est pas forcément déconnant. Compliqué comme partie, quand même. Là, il va pas aller là, sinon je coupe. Oh si, il peut, même si je coupe en fait. Noir, blanc, mince, noir, blanc. Et en fait, il fait... Je peux faire atterrir comme ça, je viens là, et il peut aller là. Je peux pas aller à l'intérieur. Donc ça passe. Mais il prend pas le risque. Il n'y va pas. Bon, je suis juste content de faire ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il recule comme ça, du coup. J'avance, et il recule. Bon, ça revient à la même chose, mais en fait, il pouvait faire année. Et je suis assez content d'avoir ces deux pierres parce que c'est en face de ça et je peux sauter. Et ça isole un peu ça. Maintenant il va venir ici. Normalement. Ou là quoi. Mais je pense que c'est pas déconnant pour lui d'aller là. Moi je vais aller là, il va aller ici, je vais aller là. S'il fait atterrir comme ça, je peux attaquer vraiment ces deux pierres. Ah là 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 là, j'ai pas eu. Merde. Oui, si, ça change, ça change. Mais bon, je voulais capturer. Bah, il me coupe. Oh là là, je suis aveugle. Désolé hein, pour ceux qui regardent encore la partie jusqu'à ce moment-là. C'est bidon hein, ce que je fais. Bon, cela dit, on peut prendre peut-être beaucoup ici. Essayons de voir le verre à moitié plein. Ah, c'est pas bon quand même. Ouais, c'est vraiment mauvais, hein. Oh là là, je viens vraiment de lui donner tout ça. Hein. Immonde. Là, j'ai pas vu quoi. Moi, j'ai pas regardé en fait, tout simplement. Ok, il m'attaque encore plus durement. Là, je pense qu'il me. Il me sous-estime, du coup, il doit être tellement. Ouais, il est nul quoi. Je comprends. Ah là 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 là.
pas connecté. De toute façon, il n'y a pas de coupe ici, hein, je capture ça. Mais... Là, il connecte d'une manière ou d'une autre. Et après, je joue... Je sais pas. Faut qu'on essaie de faire un gros bord ici, quoi. On joue un coup par là, j'imagine. Après. Ah, c'est douloureux, hein, quand même. Peut même faire ça. Ça menace ça. Ouais, c'est pas mal. On vient ici, ça menace A2, qui menace la base de vie de son groupe. Il va très certainement faire Atari en A3. Non, il vient par là d'abord. Ça me renforce de ce côté, il faut vraiment que je fasse tout ça, hein. C'est déjà, ça c'est sûr. On va venir par là. Ça menace quand même de venir là. De ressusciter accessoirement toutes mes pierres ici. Hein. Parce que là, s'il répond pas et que je viens ici, disons qu'il peut plus rien faire. S'il vient là, je viens là. Il en Atari. S'il capture, bah je recapture. Il peut recapturer encore, mais je peux mettre Atari ici, il est mort. Donc il joue là, ouais, c'est logique. Et en vrai, normalement, ce serait ça que je devrais jouer, mais là, ça a l'air très tentant quand même. Là, je prends tout ça. Ce qui est bien. C'est bien, c'est bien. Yoyomi. Il capture ici, très bien. Moi, je vais venir par là, ça semble gros quand même. Ah, oh, peut-être que je devais protéger là, je sais pas. Ah, si, c'est gros quand même. S'il prend là, moi je prends là. C'est immense. Il y a c'est des échanges, hein, je sais, mais. Là, il y a l'Atari derrière, puis ça. Là, il coupe. Je vais là. Il vient là. Je vais là. Ouais, c'est pas très bon en fait ce que je fais. C'est pas une très bonne partie pour le joueur blanc. C'est le bordel. Par contre, ici, il faut faire attention pour lui. Blanc, noir, blanc. Mais bon, c'est pas blanc. Même s'il fuit là. Ouais, non, ça marche peut-être pas pour moi. Ça marche peut-être pas pour moi. J'exagère. Il m'a eu ici? Bon, s'il m'a eu, c'est l'abandon là. C'est l'abandon. Ah, je suis pas très concentré sur cette partie par contre là. Pas très bon. C'est la chaleur, on va dire. Il vient ici. Je viens là, il capture. Descends, je viens là, il peut aller là. Ah ouais, c'est la merde. Ok. 10, 9, Blanc, 8, 7, noir, 6, blanc. 5, 4, 3, 2, 1. Là, si ce que j'espère, c'est ça, 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 ça. Ah non, j'ai pas le choix, je dois aller là d'abord. Mais même, du coup, il lui resterait 3 libertés, il capture et. Même si je vais là, il lui reste 2 libertés en fait, et quand il capture, c'est un coup. Mais que je dois gagner 2 fois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ouais, c'est la merde. C'est la merde. En fait, même si je capture ça, je pense que j'ai perdu. Parce que il aurait capturé lui, là il a tout ça, il a tout ça. Et il y a énormément de points en fait, parce qu'il y a énormément de pierres capturées. C'est vraiment pas très folichon.
Ouais. Au blanc. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bon, il faut mettre la pression, hein, pas de choix. Ici, je peux tenter le co. Mais d'abord, je préfère voir là, parce que de toute façon, j'ai pas trop de menaces. Pas un... Non, j'ai pas trop de menaces. Dix, neuf, ouais, j'ai rien qui marche. Sept, j'ai rien qui marche. Six. On tente ça et c'est un peu le dernier essai. Maintenant, on a des menaces par là, donc on va aller ici. Mais en vrai, comme je dis, hein, même si on prend ça, on a ça, mais c'est tout en fait. On a clairement pas assez, je pense. Par contre, si on réussit à avoir ça, c'est quand même gros. Alors, qu'est-ce qu'il a comme menace? Il a pas trop de menaces, cela dit, hein, comme il a déjà capturé beaucoup de choses. Il a pas trop de menaces. Si, il a ça. Il a ça, il a ça. Ouais, je vais capturer, j'ai encore ça derrière. Descends ici, je pense. Je capture. Et ensuite. Ah, il a ça, hein, qui est immense. Ok. Ok, ok. Ça me va. Est-ce que je peux encore sortir? Ok. Je sais pas trop quoi penser de ça. Parce qu'il me reste ça, hein. Attention. Ouais. C'était pas fou comme menace pour de sa part, je pense. Quand il fait ça, bah je protège. Et oui, oui, il peut avancer ici. Je recule. Avance, je recule. Avance, je recule. On fiche. Et ici, est-ce qu'il est vivant? Ok, il est vivant. My bad. Ok, il est vivant. Bon, cela dit, je suis quand même content, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On part là, j'imagine. Maintenant, il faut compter. Est-ce que j'abandonne ou pas? Ouais, ça c'est bon. Bon, je vais attendre les 20, la fin, mais c'est gros quand même, parce que s'il capture, c'est tellement chiant. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. Bah, j'ai un peu plus. J'ai 60. 75 grand max. Grand max. Et lui?
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ouais, je suis peut-être devant. 2, 1. Je compte plus que lui, là. J'ai compté très vite fait, hein, pour lui. Je me suis dit 75. Ah, je vais compter 66, 67. Bizarre. Ah, faut que je recompte. Non, j'ai complètement oublié de compter ces pierres-là. Non, ok, il est là le tour. Rien qu'avec les pierres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Là, il y a 36 points. Plus 2 ici encore. 40. Non, il est là justement. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. J'abandonne. J'ai beaucoup reste trop de retard. Quatre périodes. J'ai beaucoup trop de retard. Le noir gagne. Je lui dis merci pour la partie. D'ailleurs, je lui avais pas dit bonne partie, mince. Pas très poli. Si je mets estimation du score. Ouais, il doit aller devant 13, 15 points. Ouais, j'étais en retard. J'étais trop en retard. Effectivement. Trop de cadavres. En fait, c'est ça le problème. Beaucoup trop de cadavres. Mais ici, c'est dommage, hein, parce qu'on avait rattrapé un peu et c'est ici le gros fail de. Ah, même ici, on était encore revenu un peu. Ah, d'abord, il faut protéger comme ça. Ok. Et là, ça va, je suis assez serré. Ok. Ah ouais, c'est serré, merde. Je suis encore bien, en fait. J'ai pas besoin de ce coup. Je sais pas, faut qu'en fait, quand il joue là, faut que je protège. Et je suis bien. Je suis de 25 points. Donc là, c'était la gourmandise. Ok. Et il y a aussi, quand on est par là, là. Ah. Voilà, ce coup-là. Oh non, en fait, tu peux jouer ça. Non, ok, j'ai rien dit. Ok, d'accord. Ok. Donc ça ne marchait pas non plus pour moi. Ok, ça roule. Et cela dit, par contre, quand on capture ça... Mais ici, voilà, ça, c'est dramatique. On est devant, ouais, on perd 10 points ici. En fait, on peut développer pas mal, on perd que 10 points entre guillemets. Mais un coup comme ça, c'est pas déconnant, quoi. On sauve quand même toutes ces pierres-là. Plutôt agréable. Ok. Ouais, sinon, c'est ici, hein, vraiment. Où il faut pas jouer ça. Faut plutôt aller défendre là-bas. Il prend. Et ensuite, on met la pression par là, comme ils disent. Et nous, on défend notre territoire ici. On est devant de... C'est très serré, en fait. Mais ça a l'air de suffire. Parce qu'après, on ne peut pas se réduire plus que ça, je pense, tous les deux. Il nous reste du beau potentiel par là. Ouais, dommage. Dommage. C'était une belle partie. Plus serré que je ne le pensais. Mais bon, c'est comme ça. Bon ben, je vous dis merci d'avoir visionné jusqu'ici, pour ceux qui sont encore là. N'hésitez pas encore une fois à faire part de vos suggestions, de vos commentaires, de vos remarques, de vos questions. Il y a les SGF pour ça aussi, pour construire la pensée et la question, des fois. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain, bonne fin de semaine à tous, et portez-vous bien. Salut !